À la rentrée 2017, l'école Saint-Charles deviendra l'école Pier Giorgio Frassati. Pier Giorgio Frassati. Pier Giorgio Frassati. Frassati. Pier Giorgio. Nous avons voulu changer de nom cette année pour éviter les confusions avec la maison d'enfants à caractère social qui se situe dans la même ville du Vésinet. Nous sommes un dispositif de lutte contre le décrochage scolaire. C'est-à-dire que l'objectif majeur pour chaque enfant inscrit à l'école Pier Giorgio Frassati, c'est de retourner dans le système ordinaire une fois qu'il a repris confiance en lui-même et dans le système scolaire. Qui a enlevé toutes les pierres de la montagne. Et... Quand j'étais dans une école publique, j'avais beaucoup de difficultés. Je ne savais pas lire, je ne savais pas beaucoup écrire que maintenant. Dans cette école, j'arrive à écrire, j'arrive mieux à lire. Et c'est plus facile pour moi. Ce que vous vivez à l'école, est-ce que vous voulez dire dans un hymne ? C'est un réel sas de remise en route. Reprendre confiance en lui et reprendre confiance aussi dans l'école. Et quand je dis l'école, c'est les adultes qui le composent, c'est le système en lui-même. Bien. Est-ce qu'il y a des questions sur l'après-midi ? C'est le but de notre dispositif, c'est qu'il puisse retourner mieux armé dans le système classique, l'école de secteur, le collège. On a beaucoup plus de temps pour apprendre, beaucoup plus de manières et beaucoup plus de personnes pour qu'ils nous apprennent et pour qu'ils nous enseignent ça. J'ai respecté les règles de classe et c'est surtout parce que je pensais au collège. Je pensais ce qui allait arriver au collège, qui n'allait pas laisser tant de chance comme ici, comme en primaire. Trajectoire, tu sais ce que ça veut dire ? Il faudrait que je garde les bonnes habitudes que je vais avoir ici en fin d'année. Il ne faut pas lâcher, il faut toujours continuer, essayer et pas dire qu'on n'arrive pas alors qu'on n'a pas essayé. Il n'y a pas un parcours d'enfant qui se ressemble à l'école Pier Giorgio Frassati. On travaille beaucoup sur le savoir-être de l'enfant pour l'amener à avoir une réelle posture d'élève. Pour cela, on lui propose 1001 outils où il va pouvoir réellement influer sur sa scolarité, ouvrir des espaces de parole, où il va pouvoir réguler la vie de cette micro-société qu'est l'école. Comme en ce moment il commence à faire chaud, je voudrais qu'on ait une bouteille d'eau. Nous allons passer au vote. Qui vote pour la proposition qui soit acceptée ? 2, 3, 4, 5. La proposition est acceptée. Nous allons passer en ceinture de comportement. Ceinture jaune. Je sais me ranger devant la classe dans le calme. Je monte et je descends les escaliers par les marches. J'utilise les mots de politesse avec tout le monde. Nous proposons pour les apprentissages fondamentaux des groupes de besoins que nous appelons des paliers, c'est-à-dire qu'un enfant qui a des facilités va pouvoir découvrir des notions d'âge supérieur. A contrario, si un enfant est en difficulté, imaginons en lecture, il va pouvoir aller reprendre les bases de lecture selon ses propres besoins, ce qui permet aussi d'éviter à certains enfants de s'ennuyer ou au contraire d'être trop confrontés à l'échec. On les met vraiment dans une posture dynamique au quotidien pour qu'ils puissent avoir un parcours positif et retrouver le goût d'apprendre. Pour toute l'école Frassati. Des fois, quand je travaille, j'ai peur. Pier Giorgio Frassati, il voulait aller plus loin, au bout de ses rêves, en fait. Je vais être comme lui, moi.